RMC, l'immanquable grande gueule. Ce qu'il a fait, c'est pas acceptable. Je veux dire, voilà, il le dit d'ailleurs. Hein, je pense qu'il a carrément insulté les policiers. Donc, en plus, comme journaliste, c'est encore pire, hein, parce que, enfin, voilà, je pense qu'il a été en garde à vue, il va être condamné. Maintenant, je pense qu'être condamné à plus du tout exercer son métier, couvrir les manifestations, peut-être qu'il peut aller ailleurs, je sais pas. Enfin, moi, j'ai lu quelque chose. À Paris. J'ai lu un article de lui déjà à l'époque du CPE. Il était aussi, il est virulent, c'est quelqu'un qui a l'habitude, qui est coutumier du fait, quoi. C'est un militant, il était à Lunel. Le Bourgeanard qui se la raconte. À faire des trucs un peu déjantés. Le quoi, le Bourge Anard ? Mais oui, mais c'est ça, c'est les mecs, il faut qu'ils s'en canaillent, quoi, parce que sinon ils se font chier, quoi. Donc lui, c'est ça. C'est un peu profil, quoi. Tout va bien chez lui, mais comme ça va bien chez lui et qu'il manque de rien, et ben il va sur les plans les plus foireux qui existent. Donc voilà, c'est le typique ça, Black Bloc journaliste. Et donc quand Black Bloc journaliste, non, ça, je connaissais il... pas. Non, mais quand bah, il pompier, était jeune. Journaliste, non, mais, métiers, voilà. Non, mais, Black Bloc. Non, mais quand il était jeune, moi j'ai un article de lui, quand il était jeune, il a insulté, oui. sais plus, bon, voilà, c'est pas nouveau. Il avait insulté sa proviseur. Sa proviseur, voilà. Il aurait peut-être dû insulter ses parents. Il était déjà sur les manifs du CPE. Bon, voilà, on peut être journaliste, avoir des idées pour les opprimés, les minorités. On connaît le profil type. Mais là, de tous c'est ces un mecs, activiste. Mais on n'est pas obligé d'aller insulter les forces de l'ordre. C'est alors, tout, David Nicaise. L'immanquable grande gueule.